Bonjour et bienvenue sur la chaîne Snatch Mode France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une synthèse vocale, c'est-à-dire transformer du texte en voix. Pour cela, nous allons créer une interaction de type simple, réponse textuelle. Nous allons l'appeler par exemple Bonjour. Nous allons mettre ici le texte que nous voulons que le chatbot dise, à la fois de manière textuelle et en synthèse vocale. La synthèse vocale, cela permet, par exemple, pour les personnes ayant une visibilité réduite, de pouvoir entendre les interactions avec le chatbot. Ici, nous allons mettre, par exemple, Bonjour, monsieur le maire. Donc, vous voyez que tout de suite ici, nous avons une option qui s'appelle texte en parole, qui est activée par défaut, et nous allons en voir les paramètres ici. Donc, si vous avez configuré votre chatbot au moment de sa création en français, ici vous aurez directement l'option en français, mais vous pouvez choisir parmi plusieurs langues. Ici, nous allons rester en français. Sont proposées ici quatre voix, des voix féminines ou masculines. Nous allons prendre par exemple la voix 2 masculine. Et vous pouvez choisir ou bien d'avoir une génération automatique du texte mis en parole, comme c'est le cas par défaut, ou vous pouvez le faire vous-même. Une fois que vous cliquez ici, le logiciel comprend que vous voulez générer vous-même avec vos propres paramètres le message vocal, donc il va cesser d'être en mode automatique et passer en mode manuel. Ici, nous pouvons cliquer sur générer un message vocal du chatbot et nous obtenons ici un exemple du texte mis en parole. Bonjour, monsieur le maire. Vous pouvez voir qu'ici, il y a plusieurs options. Le taux, la durée de la pause et la durée. Donc le taux, ça va être le taux d'énonciation, donc c'est la vitesse à laquelle chaque mot va être dit dans la phrase. La durée de la pause, c'est la pause entre chaque mot. Et la durée, c'est la durée totale de la phrase. Voilà, maintenant, si nous passons au test de ce chatbot, nous voyons Bonjour Monsieur le maire et nous pouvons ici appuyer sur Lecture. Voilà, vous savez maintenant mettre des textes en parole sous chatbot. Bonne journée à vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile.